Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec l'équipe de What's Up Montreal pour finir un truc chez Amaze et j'ai fait mon fabuleux clown ici. C'est juste dommage, on ne pourra pas aller faire peur à du monde! Ah, c'est vraiment nice! On est le lendemain du projet chez Amaze avec What's Up Montreal. C'était super le fun. Dans le fond, j'ai maquillé un des acteurs en clown, comme vous avez pu voir. C'était super cool. Puis c'est ça, dans le fond, c'était une vidéo promotionnelle. Puis mon ami Luduc était là. Si jamais vous ne connaissez pas Luc Duchesne, il a sa chaîne YouTube que je vais mettre en commentaire. Et puis là, je commence vraiment cette semaine. Ça a été un gros rush de travail. Pour vrai, là, ça faisait comme un petit moment que j'avais pas travaillé comme ça. J'ai travaillé mardi, mercredi, là on est jeudi. J'ai un bal finissant. Il me reste 8 minutes avant de me rendre chez la fille. Là, je suis juste en diagonale chez eux. Dans le fond, je maquille la sœur de mon amie Jenny pour son bal finissant. Et après ça, je m'en vais maquiller des petits mousses dans une garderie à Mascouche, si je me trompe pas. Donc après ça, jeudi, ça va. Jeudi, on est jeudi. J'aurais pas mélangé dans les jours. Mais vendredi, dans le fond, nous autres au Québec, pour celles qui sont pas du Québec, c'est la Saint-Jean. Donc, c'est comme la fête nationale, là, on fête le Québec. Donc, en tant que maquilleuse, c'est vraiment une journée qui est super occupée. Là. La Saint-Jean, Noël, puis l'Halloween, c'est comme... Donc, moi, je suis bookée, ça fait plusieurs mois. Donc, je travaille vendredi et samedi. Je travaille de 10h30 le matin jusqu'à 9h le soir. Donc, c'est ça, le matin, ça va être sur un yacht dans le Vieux-Port. J'ai vraiment hâte, ça va être un super de beau contrat, ça. Puis, le deuxième, c'est avec la Pinacothèque. Je pense que j'en ai parlé dans mon autre vlog d'avant, que je vais essayer de faire le montage ce soir. Je devais le faire hier pour le poster un matin, mais nope. C'est pas eu le temps, puis j'étais beaucoup trop fatiguée, là, j'ai de la misère à dormir ces temps-ci. Bref, c'est ça, j'essaie de faire le montage de ça ce soir, donc j'essaie de filmer les petits bouts si je suis capable. En garderie, je le ferai pas, ça je le sais, parce que ça me prendrait l'autorisation des parents, puis j'aurais pas le temps de demander à tous les parents, de toute façon ils seront pas à la garderie. Là. Donc bref, voilà, c'est ce que je m'en vais faire, puis ça me fait du bien de travailler, mais... Je pense que samedi soir, après la Saint-Jean, là, ouf! En plus que l'ami à mon chum, il fait genre un party chez eux pour leur pendaison de crémaillère. Puis pour la Saint-Jean, puis mon chum était comme « Ah, oh, je vais y aller, là, tu sais, pour... » Tu sais, si on est jusque chez nous, on va aller jusque chez eux parce qu'on habite vraiment pas dans le même coin. Puis là, j'étais comme « Ah, oh, ouais, je vais aller en Portigny. » Puis c'était à la Noret, fait que je me suis dit « Ça, c'est quand même pas si pire. » Mais là, pour ça, je suis comme « Ah, oh, c'est clair que je vais être crevée. » Donc, je pense qu'on va dormir là-bas. Je pense bien, parce que je serais pas capable de faire le retour, je pense pas être assez en forme pour ça. Donc voilà, je vous laisse, je m'en vais maquiller ma finissante. J'allais dire ma mariée, c'est pas de mariée, c'est une finissante. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder.
standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Proche de la Saint-Jean. J'ai pas tant filmé, mis à part que vous avez vu un petit peu les scènes sur le bateau. J'étais vraiment contente. C'était comme un petit peu être touriste dans ma propre ville. On fait jamais ça. J'ai pas vraiment pu filmer aux autres événements parce que ce genre d'événement-là, on est tellement occupé, on est tellement pressé que ça va pas. Là. Mis à part deux, trois petites accroches, ça s'est super bien passé, là, les contrats de la Saint-Jean. Et là, aujourd'hui, avec le vlog, je suis à une journée VIP à Pointe-Calumet. C'est le genre de place qui est vraiment super le fun. Là, on chill un petit peu dans une petite chaise parce qu'il fait un petit peu chaud. Puis Félix, il est comme juste à la limite. Là, il fait pas le 42 pouces encore. Il doit faire comme le 40 à peu près. Fait qu'il y a plein de trucs qu'il peut pas faire. Fait qu'on a fait un petit peu de glissade d'eau. Mais juste ceux qu'il peut faire. Puis le Charles est parti en faire une tout seul. Là, puis sinon, en dehors de ça, c'est le fun les glissades d'eau? Oui, c'est le gagueur. C'est quoi? Le gagueur. C'est aïe-aïe. C'est le fun, les glissades d'eau. Félix, c'est le type d'enfant un petit peu peureux à la première chute. Puis après ça, une fois qu'il l'a fait, il trippe tellement qu'il veut le refaire encore, 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 encore. Oui, toi? Hein? Toi, t'es un petit peu peureux. Ça t'arrive d'avoir peur? Oui. Tiens, tu peux aller jouer dans le sable.
Fait que c'est ça. Puis là, j'attends, là, dans le fond, je vais attendre Charles. Puis après ça, on a un petit lunch fourni barbecue. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis je vous ai filmé quelques petites scènes du parc. Là. Pour vrai, c'est vraiment un beau parc d'eau. Là, mais je pense que ça va être plus le fun quand je vais revenir. Puis qu'il va avoir comme. Tu sais, 5-6 ans, quand il va atteindre le 42. Puis après ça, le 48 pouces. Puis après ça, il va pouvoir tout faire. Puis 48 pouces, je pense, c'est 5 pieds. 40... Non, 42. 48, c'est 4 pieds. Ouais, vas-y! Fait que c'est ça. Ça va être un petit peu plus le fun, mais c'est quand même super le fun. Il y a plein de trucs qu'il peut faire tout seul. Là.